Presto! Bonjour à tous et dressez l'oreille. Voici l'un des débuts les plus spectaculaires de toute l'histoire de la musique. Ça commence comme les dents de la mer. La tension monte irrésistiblement avec les cordes et en quelques secondes, c'est l'explosion d'énergie du thème joué par les cuivres. C'est la symphonie du Nouveau Monde d'Antonín Dvořák. Ce compositeur tchèque a écrit cette symphonie à la fin du 19e, à la suite de sa découverte de l'Amérique. Ébloui par l'énergie de ce Nouveau Monde, Dvořák est convaincu le premier de l'importance de la musique des Indiens et surtout des Noirs américains. Il offre donc à l'Amérique des mélodies qui sonnent comme des musiques américaines, mais qu'en réalité, il réinvente complètement. Et la création de cette symphonie, dédiée au Nouveau Monde, inspirée par le Nouveau Monde, va en retour contribuer à bâtir l'identité musicale des États-Unis.